Focus sur sexe, life, sombre désir et bonding, trois séries très chaudes à découvrir sur la plateforme Netflix. SEXLIFE 2021. Déconseillé au moins de 18 ans par Netflix. La série américaine Sex Life, c'est l'histoire d'une femme qui se trouve au cœur d'un triangle amoureux entre son mari et son passif sentimental et sexuel. Le show est adapté du roman 44 Chapters About 4 Men, 44 chapitres sur 4 hommes, écrit par l'américaine Bebe Easton en 2016. Une autobiographie dans laquelle elle raconte, sous la forme d'un journal intime, ses relations passées et sulfureuses. Bebe Easton, ancienne psychologue scolaire qui s'est enfermée dans une vie de famille, raconte comment l'écriture lui a fait du bien. C'était une expérience cathartique. Ça m'a aidé à créer un pont entre ma vie actuelle et la fille que j'étais avant. Je vivais ma vie présente mais j'écrivais sur des moments fous que j'ai vécus, et c'était comme si j'étais la même personne. Riche de 2 saisons, la série Sex Life est portée par le trio composé de Sarah Chaille, Mike Vogel et Adam Demos. Sombre désir, 2020. Un week-end fatidique déchaîne les passions et se termine en tragédie pour une femme mariée qui finit par s'interroger sur son entourage. Tel est le pitch de la série mexicaine Sombre Désir, composée de 2 saisons et emmenée par Meg Perroni et Alejandro Spetzer. Selon l'actrice Meg Perroni, interrogée par People Espagne, la mise en scène, la photographie, les partenaires sur le plateau et le fait d'avoir la tranquillité d'esprit de savoir ce qui va être fait participent au bon déroulement du tournage des scènes de sexe. Ce sont des scènes très soignées, qui se discutent beaucoup plus que d'autres, qui sont chorégraphiées et analysées et que l'on détermine à l'avance en s'interrogeant sur le pourquoi du comment. L'actrice indique également qu'il n'y a pas plus de personnes que nécessaires sur le plateau lors du tournage de ces séquences pour créer plus de confiance et d'intimité. « Je pense que la chose la plus importante est le respect qui existe sur le plateau », déclare-t-elle. « Ce respect est très important et ne peut être brisé pour rien au monde. Il y a des codes qui sont très clairs et qui sont établis. » La préparation des scènes de sexe passe aussi par un travail important sur la psychologie des personnages, au cœur d'une histoire d'amour obsessionnel mêlant violence, santé mentale et mystère. Meg Perroni explique que les acteurs étaient accompagnés de thérapeutes, de psychologues et de spécialistes dans chaque domaine afin de comprendre plus en profondeur la complexité de chacun des personnages de l'intrigue. Bonding, 2019. La série Bonding, c'était l'histoire de 2 amis inséparables au lycée qui se retrouvent à New York après s'être perdus de vue. Ils ont alors un nouveau terrain de jeu, radicalement différent qu'à l'époque de leurs études. Composé de 2 saisons, ce programme court. Les épisodes durent environ 15 minutes, est emmené par le duo Zoé Lévy, Brendan Scanet. Audacieux, il plonge le spectateur dans le milieu très underground du sadomasochisme. Bonding, saison 1 bande-annonce beau.